Nous sommes dans le livre de 1 Chronique et je vais lire pour vous les chapitres 21 et 22. 1 Chronique, chapitre 21. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Accepte. Ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel. Oh, ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez! Retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors, David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait?
Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses quatre fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis, il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. » Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les champs pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 sicles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors, l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan, le Jébusien, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes, étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Un Chronique, chapitre 22. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes, et pour les crampons, de l'airain en quantité, tel qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre en sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel,
le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors, tu prospéreras si tu as du soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 000 000 de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierres, et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis. Et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous? Et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays. Et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâti au nom de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
Chronicles 21, David takes a census. Satan rose up against Israel and caused David to take a census of the people of Israel. So David said to Joab and the commander of the army, "Take a census of all the people of Israel, from Beersheba in the south to Dan in the north, and bring me a report so I may know how many there are." But Joab replied, "May the Lord increase the number of his people over 100 times over. But why, my lord, the king, do you want me to do this? Are they not all your servants? Why must you cause Israel to sin?" But the king insisted that they take the census. So Joab traveled throughout all Israel to count the people. Then he returned to Jerusalem and reported the number of people to David. There were 1,100,000 warriors in all of Israel who could handle a sword, and 470,000 in Judah. But Joab did not include the tribes of Levi and Benjamin in the census because he was so distressed at what the king had made him do. Judgment for David's sin. God was very displeased with the census, and he punished Israel for it. Then David said to God, "I have sinned greatly by taking the census. Please forgive my guilt for doing this foolish thing." Then the Lord spoke to God, David's seer. This was the message. "Go and say to David, this is what the Lord says. I will give you 3 choices. Choose one of these punishments and I will inflict it on you." So God came to David and said, "These are the choices the Lord has given you. You may choose 3 years of famine, 3 months of destruction by the sword of your enemies, or 3 days of severe plague as the angel of the Lord brings devastation throughout the land of Israel. Decide what answer I should give the Lord who sent me." "I'm in a desperate situation," David replied to God. "But let me fall into the hands of the Lord, for his mercy is very great. Do not let me fall onto human hands." So the Lord sent a plague upon Israel, and 70,000 people died as a result. And God sent an angel to destroy Jerusalem. But just as the angel was preparing to destroy it, the Lord relented and said to the death angel, "Stop, that is enough." At the moment, the angel of the Lord was standing by the threshold of Arnon the Jebusite. David looked up and saw the angel of the Lord standing between heaven and earth with his sword drawn, reaching out over Jerusalem. So David and the leaders of Israel put on burlap to show their deep distress and fell face down on the ground. And David said to God, "I am the one who called for the census. I am the one who has sinned and done wrong. But these people are as innocent as sheep. What have they done, O Lord my God? Let your anger fall against me and my family, but do not destroy your people." David builds an altar. Then the angel of the Lord who told God to instruct David to go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arnon the Jebusite. So David went up to do what the Lord had commanded him through God. Arnon, who was busy threshing wheat at the time, turned and saw the angels there. His 4 sons who were with him ran away and hid. When Arnon saw David approaching, he left his threshing floor and bowed before David with his face to the ground. David said to Arnon, "Let me buy this threshing floor from you at its full price. Then I will build an altar to the Lord there so that he will stop the plague. Take it, my lord, the king, and use it as you wish." Arnon said to David, "I will give the oxen for the burnt offering and the threshing boards for wood to build a fire on the altar, and the wheat for the grain offering. I will give it all to you." But David replied to Arnon, "No, I insist on buying it for the full price. I will not take what is yours and give it to the Lord. I will not present burnt offerings that have cost me nothing." So David gave Arnon 600 pieces of gold in payment for the threshing floor.
David built an altar there to the Lord and sacrificed burnt offerings and peace offerings. And when David prayed, the Lord answered him by sending fire from heaven to burn up the offering on the altar. Then the Lord spoke to the angel who put the sword back into its sheath. When David saw that the Lord had answered his prayer, he offered sacrifices there at Ornan's threshing floor. At that time, the tabernacle of the Lord and the altar of burnt offerings that Moses had made in the wilderness were located at the place of worship in Gibeon. But David was not able to go there to inquire of God, because he was terrified by the drawn sword of the angel of the Lord. Then David said, "This will be the location for the temple of the Lord God and the place of the altar for Israel's burnt offerings." Preparations for the temple. So David gave orders to call together the foreigners living in Israel, and he assigned them to the task of preparing finished stone for building the temple of God. David provided large amounts of iron for the nails that would be needed for the doors and the gates and for the clamps, and he gave more bronze than could be weighed. He also provided innumerable cedar logs for the men of Tyre and Sidon had brought vast amounts of cedar to David. David said, "My son Solomon is still young and inexperienced, and since the temple to be built for the Lord must be a magnificent structure and famous and glorious throughout the world, I will begin making preparations for it now." So David collected vast amounts of building materials before his death. Then David sent for his son Solomon and instructed him to build a temple for the Lord, the God of Israel. "My son, I wanted to build a temple to honor the name of the Lord my God," David told him. "But the Lord said to me, 'You have killed many men in the battles you have fought, and since you have shed so much blood in my sight, you will not be the one to build a temple to honor my name. But you will have a son who will be a man of peace. I will give him peace with his enemies in all the surrounding lands. His name will be Solomon. And I will give peace and quiet to Israel during his reign. He is the one who will build a temple to honor my name. He will be my son, and I will be his father. And I will secure the throne of his kingdom over Israel forever. Now, my son, may the Lord be with you and give you success as you follow his directions in building the temple of the Lord your God. And may the Lord give you wisdom and misunderstanding, that you may obey the law of the Lord your God as you rule over Israel. For you will be successful if you carefully obey the decrees and regulations that the Lord gave to Israel through Moses. Be strong and courageous. Do not be afraid or lose heart. I have worked hard to provide materials for building the temple of the Lord. Nearly 4,000 tons of gold, 40,000 tons of silver, and so much iron and bronze that it cannot be weighed. I have also gathered timber and some stone for the walls. Though you may need to add more, you have a large number of skilled stone masons and carpenters and craftsmen of every kind. You have an expert goldsmith and silversmith and workers of bronze and iron. Now begin the work, and may the Lord be with you." Then David ordered all the leaders of Israel to assist Solomon in this project. "The Lord your God is with you," he declared. "He has given you peace with the surrounding nations. He has handed them over to me, and they are now subject to the Lord and his people. Now seek the Lord your God with all your heart and soul. Build the sanctuary of the Lord God so that you can bring the ark of the Lord's covenant and the holy vessels of God into the temple built to honor the Lord's name.
the word of God for the people of God. Amen. Première histoire, chapitre 21. Yon jou Satan mauvais sou pep Israël. Li pousse David al konte combien moun ki nan pep Israël. Wa pale ak Joab ansanm ak lòt chef yo, li di yo kon sa. Ale nan tout branch fam Israël yo, depi la vil Betsheba nan sit jouk la vil Dan nan no. Konte denye moun ki nan pep la. Le fini, fèm yon rapport pou mka konnen konmen moun ki gen nan peyi ya. Men Joab di wa kon sa. Mon wa, mwen mande seyen a pou li fè pep Israel la vin 100 fwa pi plis pase jan li te ye kou liye ya. Le fini, mon wa, ou konnen yo tout la ap servi ou. Men pou ki sa, mon wa ou vle fè sa. Pou ki sa ou vle pote pep Israel la fè sa ki bal. Men wa pat soti pou li chanje lòt li te bay la. Kon sa, Joab bati li voyaje nan tout peyi ya apre sa li toune la vi Jerizalem. Joab remet wa rapò ki bay kantite moun ki te gen an tou nan tout peyi ya. Se kon sa yo te jwen 1,100,000 gason ki kon servi ak nepe nan peyi Israel la ak 470,000 nan peyi Jida. Men Moab pat konte moun ni nan branch fami Levia ni nan branch fami Benjamin paske lòd wa te bay la pat antre nan santiman men. Men sa David te fè a pat fè bon Dje plezi. Bon Dje pini pèp Israel la. Lè sa David di bon Dje, sa m fè la, se yon gwo peche, kou liye a tan pou y padone m. Pabliye se servite ou mwenye. Mwen te agi tan kou moun fou. Pabliye se servite ou mwenye. Mwen te agi tan kou moun fou. Se yen a pale ak profet Gad, konseye David la li dil kon sa. Ale pale ak David, wad dil mesaj Seyen a vwe ba ou. Li mete 3 chatiman devan ou. Ou menm wa chwazi yon la dan yo. Sa wa chwazi a, se sa la fè ou. Se kon sa, gadal jwenn David la kay li, li di kon sa, men sa Seyen a vwe di ou, ki sa ou vle. 3 la ne gangou nan tout peyi a, 3 mwa ap kouri devan l'enmi ka pousi bou ak solda yo, ou sinon 3 jou ap sibi chatiman Seyen ak yon epidemi nan tout peyi ya. Pou zan Seyen a menm ap mache touye moun nan tout peyi Israel la. Al kalkile sou sa pou fem konen ki repons pou mpote bay moun ki voye mla. David repon, nan gwo tèt chaje, menm pa vle tombe an yi, mpa vle tombe an ba nan men les om menm, pito se Seyen a ki pinim. Paske li gen bon kè. Se kon sa, Seyen a voye yon epidemi sou pep Israel la. Li touye 70,000 moun nan pep Israel la. Seyen a te voye zanj li sou la vil Jerizalem pou detwi li. Le zanj an komanse fè travay li, Seyen a wè sa, li fè li de sispan chatiman. Li di zanj ki tap touye moun yo, sispan. Kebe men ou le sa, zanj lan te gen tan, tout près glaci au nord dans la ville Jebis. David voyageait, li wè zanj Seyen a campé
dans l'air sans pied pas toucher terre. Bras longés sous la ville de Jérusalem à qui on est pénamène. Laissa David à chaque famille, rad sac yo sou yo, baissé tête yo choukate. David parlait à Seigneur, il dit comme ça. C'est moi même qui t'ai demandé pour yo compter moun yo. C'est moi même qui entend. C'est moi même qui fait ça qui mal. Qui sa moun sa yo fait? C'est mouton yo yé. Tant pris Seigneur bon Dieu moi. Pas voyer en ken malaise ou peuple là. C'est moi même ensemble avec famille moi pour ou ta bini. Jean-Jean a te bay prophète Gad Lord pour ta mandé David pour monter la caille au nan dans la ville Jébis. Bâti un hôtel pour Seigneur en an mitan glacia. David koute sa Gad te di la, li monte la caille au nan, Jean-Jean a te bali l'autre là, au nan même t'a bat blé ensemble avec quatre petits garçons yo qui était là avec sous glacia. Les hauts anges là petit li yo couri al cacher. On en viré tête li wè David qui t'a venu, li quitté glacia. Li tombé à genoux devant wa, li baissé tête li jouk fon li touché à terre. David dit on en comme ça, vende-moi en placement glacia pour me bâtir un hôtel pour Seigneur. Ban moi li pour pri li vou. Comme ça épidémie cap fini ak peuple va suspend. On a dit David comme ça, mon roi, c'est mettre ou mettre prend pour faire ça ou vle avec. Mais ma bao bœuf sa yo pour brûler net sous l'hôtel là. Mais jouk bœuf yo ak bois ka bois yo pour faire tifé, ak blé pour servir offrande grand jardin. Ma bao tout bagay sa yo. Mais roi David répond on en li dit non. C'est acheter m'a pas acheté. C'est pour me payer ou ça yo vaut. M'pa ka offri Seigneur ça qui pour ou. Moi pas prend en rien qui pas coûter m'l'argent pour m'offrir bay Seigneur. C'est comme ça David bay on a 60 pièces là pour emplacement glacia. Les fini les bâti un hôtel pour Seigneur. Li fait offrande bête boulé pour bon Dieu ak offrande pour dire bon Dieu merci. Li la prière nan pied Seigneur a répond li. Li voye di fe soti nan ciel la pour boulé offrande qui sous l'autel là. Les ça Seigneur bay zanj li a lòd pour li mette nepe li nan djen li encore. Les David wè Seigneur te répond la prière li te fait nan pied sous glacier nan. Moun la vi Jébis la, li offri bête pour touyer sous l'autel là. Mais laisse ça, tant rendez-vous Moïse te fait monter pour Seigneur dans désert ensemble avec l'hôtel pour bouler offrande bête yo te sous mon gabaon toujours. Côté yo te mettez à pas pour Seigneur. Mais David pas ta aller là pour adorer Seigneur parce que il était pénible sans Seigneur. Première histoire chapitre 22. C'est comme ça David te dit, c'est là tant bon Dieu Seigneur aïe, ensemble avec l'hôtel pour bouler bête yo offri bay bon Dieu pour peuple Israël là. David bay Lord pour tout monde l'autre nation cap vivre dans pays Israël là réuni. Li monter chantier côté pour tailler roche pour bâtir tant bon Dieu a. Li fait parer fait en quantité pour faire clou à crampon pour battant porte yo. Pour cuivre la même moun pa ka calculer quantité li té paré li fait paré pour boissède moun pays sidon ak moun la ville tir té fait David joine ça en quantité. David tap di nan kèl Salomon petit garçon lan c'est un petit moun ki poko gen expérience temple gen pou le bâti pour Seigneur c'est li ki pou pi gwo pi bèl passé dernier temps pour tout partout sous la terre y a parlé sous li. C'est pour me parer toute bagaille qui était pour lui. C'est comme ça avant lui mourir, David paré matériaux en quantité qui était là pour ça. Les fini lui voyer chercher Salomon petit garçon là, lui bali l'ordre pour lui bâtir temple Seigneur. Bon Dieu peuple Israël là, lui dit comme ça, petit moi t'ai fait l'idée bâtir un temple pour Seigneur, bon Dieu moi. Mais Seigneur a fait me connaître, moi touyer trop monde, moi fait en pile la guerre. C'est peut-être ça, c'est pas moi qui pral bâti temple pour lui parce que moi fait trop sans pour lui. Mais il dit me comme ça, ou pral gen un petit garçon qui pas nan touye moun li même
m'a fait tout plein de milieu tout partout vivre bien avec lui tout. C'est peut-être ça y a relé Salomon. Sourayli pays Israël là a vivre à quai posé sans danger ni mal. C'est lui-même qui va bâtir un temple pour moi. La pion petite pour moi. Moi-même maillon papa pour lui. M'a fait lui toujours gagner un monde dans famille roi pour gouverner peuple Israël là. Koulia petite moi c'est pour seyen a bon Dieu ou servi a toujours camper là avec ou pour ou arriver bâtir temple pour lui. Jean lui promet tout ça. Moi mandé seyen a pour le ba ou pour comprendre à camper l'esprit. Pour l'air l'a mettre ou chef dans pays Israël là ou ka toujours fait tout ça qui dans la loi seyen a bon Dieu là. Comme ça tout bagay va marcher bien pour ou, si vous veillez corps pour ou mener bakou d'après l'ordre ak règlement Seigneur a te bay Moïse pour peuple Israël. Mete garçon sou kembe fèm pa kite rien fè ou pè. Gade, mwen bay comme en pile traka pour me parer tout bagay pour top Seigneur. 3300 tonnes l'or, 33000 tonnes d'argent ak yon gros quantité cuivre ak fè moun pa ka calculer m'pare bois ak roche tout. Mais c'est pour fè pare toujours. Lè fini, ou ap jwenn an pile travail. Cantonnier, moun pou taye roche, charpente ak an pile moun ki boss nan tout kalite travay. Pou lò ajan kuiv ak fè, ou gen sa an kantite. Kon sa, mete men nan travay la. Mwen bande pou seyen a toujou kampe la avè yo. Apre sa, David mande tout chef pep Israel yo pou yo ede Salomon pitit gason lan. Li di yo kon sa, seyen a, bon Dje nou an, te toujou la avèk nou. Li fè nou viv nan la pè ak tout moun tout patou. Li lage nan men mwen tout lot moun ki rete nan peyi ya. Ki fè tout peyi ya soumèt net devan seyen ya ak devan pepli ya. Kou liye ya, se pou nou pren desisyon chache fè volonté seyen ya, bon Dje nou an ak tout kè nou, ak tout nam nou, pare kon nou pou nou bati tanp seyen ya, bon Dje nou an, pour nous mettre boîte contre Seigneur avec toute l'autre bagaille qui mette à pas pour faire service Seigneur à la dan. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Elle était avec Dieu.